gloire soit rendue à Dieu. Après des mois d'attente, nous pouvons enfin retrouver le chemin de l'Église tous ensemble. Tout en respectant les mesures barrières, port du masque en tout temps, lavage des mains, respect de la distanciation sociale, retrouvons le chemin de l'Église, car la Bible nous dit qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Je sème à la montagne sainte. Vous pouvez envoyer vos dîmes, dons, offrandes et libéralités en direct de chez vous. Pour cela, plusieurs moyens s'offrent à vous. Par virement Interact, PayPal, Visa et Mastercard directement sur notre site internet www.centremontagnesainte.com, Monogram, Western Union ou encore RIA. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse. Ensemble, nous construirons l'Église. Pierre après pierre, Laval pourra bénéficier d'un lieu où rencontrer Jésus et vivre une vie chrétienne épanouie. Alors que vous soyez ici ou partout dans le monde, apportez votre pierre à l'édifice par votre contribution mensuelle. Les différents moyens sont disponibles sur notre site internet www.centremontagnesainte.com. Peu importe le montant, c'est votre fidélité et régularité qui compte. Que Dieu vous bénisse pour votre soutien à son œuvre.
gloire soit rendue à Dieu. Après des mois d'attente, nous pouvons enfin retrouver le chemin de l'Église tous ensemble. Tout en respectant les mesures barrières, port du masque en tout temps, lavage des mains, respect de la distanciation sociale, retrouvons le chemin de l'Église, car la Bible nous dit qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Je sème à la montagne sainte. Vous pouvez envoyer vos dîmes, dons, offrandes et libéralités en direct de chez vous. Pour cela, plusieurs moyens s'offrent à vous. Par virement Interact, PayPal, Visa et Mastercard directement sur notre site internet www.centremontagnesainte.com, Monogram, Western Union ou encore RIA. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse. Ensemble, nous construirons l'Église. Pierre après pierre, Laval pourra bénéficier d'un lieu où rencontrer Jésus et vivre une vie chrétienne épanouie. Alors que vous soyez ici ou partout dans le monde, apportez votre pierre à l'édifice par votre contribution mensuelle. Les différents moyens sont disponibles sur notre site internet www.centremontagnesainte.com. Peu importe le montant, c'est votre fidélité et régularité qui compte. Que Dieu vous bénisse pour votre soutien à son œuvre.
Gloire soit rendue à Dieu. Après des mois d'attente, nous pouvons enfin retrouver le chemin de l'Église tous ensemble. Tout en respectant les mesures barrières, port du masque en tout temps, lavage des mains, respect de la distanciation sociale, retrouvons le chemin de l'Église, car la Bible nous dit qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Je sème à la montagne sainte. Vous pouvez envoyer vos dîmes, dons, offrandes et libéralités en direct de chez vous. Pour cela, plusieurs moyens s'offrent à vous. Par virement Interact, PayPal, Visa et Mastercard directement sur notre site internet www.centremontagnesainte.com, Monogram, Western Union ou encore RIA. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse. Ensemble, nous construirons l'Église. Pierre après pierre, Laval pourra bénéficier d'un lieu où rencontrer Jésus et vivre une vie chrétienne épanouie. Alors que vous soyez ici ou partout dans le monde, apportez votre pierre à l'édifice par votre contribution mensuelle. Les différents moyens sont disponibles sur notre site internet www.centremontagnesainte.com. Peu importe le montant, c'est votre fidélité et régularité qui compte. Que Dieu vous bénisse pour votre soutien à son œuvre.
Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que le nom de notre Dieu soit loué. Nous sommes mercredi 18 août. Nous voulons passer quelques temps dans la présence du Seigneur. Sa présence nous fait du bien, sa présence nous bénit. Nous sommes forts dans la présence du Seigneur, nous sommes forts dans la présence de notre Père. Sa présence nous restaure. Je bénis tous ceux qui sont déjà connectés. Et je vous invite à partager la vidéo. Nous sommes sur YouTube, on est également sur Facebook. À ceux qui sont sur Facebook, vous pouvez insérer ces liens dans le groupe où vous êtes abonnés, donner l'opportunité à vos contacts de nous suivre également. Une nuit où le Seigneur va nous bénir durant ce temps de prière. Nous voulons prier avec vous. Nous voulons, n'est-ce pas, adorer le Seigneur, invoquer le Seigneur et communiquer une bonne pensée ce soir, afin que le peuple du Seigneur soit béni. Donc, je salue même ceux qui vont nous suivre en différé. La parole de Dieu aura, n'est-ce pas, le même impact. La parole de Dieu va continuer à bénir tous ceux qui vont l'écouter. Je salue mes frères et sœurs du Centre Montagne Sainte, ici à Laval, tous ceux qui sont à Montréal, que Dieu vous bénisse. En dehors du Canada également, que le Seigneur vous bénisse. Partagez les liens. Vous qui êtes déjà sur YouTube, partagez les liens. Invitez un frère et une sœur avant de s'en aller au lit pour ceux qui sont dans le même fuseau horaire que nous autres à Montréal. Ici, c'est déjà 21h. Donc avant d'aller se reposer, avant d'aller reposer le corps, pourquoi ne pas passer une trentaine, quarantaine deux minutes dans la présence du Seigneur et surtout dans l'écoute de la parole, et une parole qui te bénit, une parole qui te donne encore la force de bien commencer ta journée de demain, une parole qui te donne l'assurance de savoir que le Seigneur est là avec vous. Partagez la vidéo et nous allons commencer, n'est-ce pas, avec un chant. Avant cela, j'aimerais déclarer la parole du Seigneur dans le livre du psaume 18. Psaume 18, c'est un psaume merveilleux que j'aime beaucoup, un psaume où chaque déclaration, chaque verset de ces psaumes nous bénit. David commence en déclarant ceci au verset 2, il dit: je t'aime, Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, mon rempart. Tous ces noms, David l'attribue à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il venait d'être délivré. Au premier verset de ce psaume 18, la Bible dit: au chef de cœur du serviteur de l'Éternel, de David, il adressa le parole de ses chants à l'Éternel, après qu'il l'eut délivré de tous ses ennemis et de Saül. Ici, David est en train d'adorer le Seigneur. Il donne tous ses noms à Dieu lorsqu'il a réalisé que le Seigneur lui a donné la victoire face à tous ses ennemis. Et la Bible souligne, même Saül, même le plus fort de ses ennemis, le Seigneur l'a délivré d'eux. Et ici, c'est un cantique, une chanson que David a composée à l'honneur du Seigneur pour lui dire merci, pour témoigner à Dieu sa reconnaissance, parce que Dieu l'a délivré, comme le dit le premier verset de ce psaume 18, de tous ses ennemis. Ma prière ce soir, que le Seigneur te donne la victoire, que tu sois la nuit, que tu sois les jours, peu importe l'heure à laquelle tu vas me suivre, que le Dieu de David, qui l'a délivré de tous ses ennemis, dans la prière que nous allons faire ce soir, que ce Dieu-là te donne aussi la victoire, afin que jaillisse de ton cœur, que monte de ton cœur, de paroles d'adoration, de paroles de louange à l'égard de ce Dieu. Amen. David adore Dieu, c'est comme un homme qui donne de mots gentils, n'est-ce pas, à son amoureuse. Il dit: je t'aime. Il commence par déclarer son amour: je t'aime, Éternel, ma force, je t'aime, je t'aime. Donc, il a ressenti la bonté de Dieu. Comment? Quand Dieu l'a délivré de tous ses ennemis. David a réalisé que Dieu m'aime. Et face à l'amour, on ne peut répondre qu'à l'amour.
Parce que Dieu m'a aimé, je veux aussi lui donner l'amour. Je t'aime, Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, mon rempart. Au verset 4, il dit, loué soit l'Éternel, je criais à lui, je suis délivré de mes ennemis. Loué soit l'Éternel, j'écris à lui et je suis délivré de mes ennemis. En d'autres termes, il est en train ici de dire, quand je loue le Seigneur me donne la victoire. Quand je lève Jésus, le Seigneur me donne la victoire. Loué soit l'Éternel, je crie à lui et je suis délivré de mes ennemis. Beaucoup de croyants ignorent la puissance de la louange et de l'adoration. C'est pourquoi nous voulons commencer par adorer le Seigneur. Et pendant que nous sommes en train d'adorer, que ceux qui sont en retard puissent nous rejoindre, parce qu'il y a une atmosphère de gloire que le Seigneur a déjà installée dans ce programme. Soyez nombreux, connectez-vous sur YouTube, sur Facebook, partagez le lien. Et sur, pour ceux qui sont, j'allais dire, sur YouTube, si vous pouvez aimer la vidéo, plus vous aimez celle-ci, YouTube va donner de la visibilité et beaucoup d'autres personnes seront bénies. Je vous assure que le Seigneur, cette nuit, il va nous faire du bien. C'est pourquoi nous voulons commencer par les louer, par un ou deux cantiques, le célébrer avant de nous plonger encore un peu plus dans la parole et ensuite dans la prière. Allons-y, on va adorer le Seigneur. Reste connecté, adore le Seigneur avec nous. Célébrez le Seigneur avec nous. Oh, que la grâce de Dieu abonde dans votre vie. Et surtout que sa présence, au travers de ses cantiques, au travers de ses louanges, que l'onction de Dieu coule sur vous dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Adore le Seigneur, alléluia. Gloire à Jésus, gloire. Merci pour ta présence, Seigneur. Chakarabasso. Nous sommes là pour te louer, Seigneur. Oh, gloire. Oh, partage la vidéo. Continue de partager. Que la gloire de Dieu remplisse vos vies. Oh, que sa présence t'inonde, ma soeur. Mon frère, sois inondé par la présence de Dieu. Loue le Seigneur et que Dieu te donne la victoire sur tous tes ennemis. Adore le Seigneur, que Dieu te donne la victoire. Allons-y. Sur moi, oh, viens, Saint-Esprit. Sainte onction.
Saint-Esprit, viens sur moi, ton sien sur moi. Que la puissance du Saint-Esprit vienne sur moi, c'est ton sien. Viens sur moi, alléluia. Sur moi. Oh, que Dieu puisse te oindre, que le Seigneur puisse te oindre. Demande cela dans ta vie, dans ce temps de prière, que l'onction de Dieu coule sur toi. Alléluia. Ouais-moi, Seigneur, ouais-moi, Jésus. Viens sur moi. J'entends le Saint-Anxion. Viens sur moi. Ce soir, remplis nos vies de ta puissance. Remplis mon frère, remplis ma soeur. Oh, shit, I'm so
présence de Dieu change l'atmosphère de ta vie, de ta maison. Sois dans la prière. Alléluia. Dans ce programme, que ton onction envahisse les maisons, les vies. Où est mon frère, où est ma soeur, Seigneur?
Viens Saint-Esprit. Alléluia. Viens Saint-Esprit. Alléluia. Prends toute la place. Viens Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Que ta puissance coule dans nos vies. Que ceux qui sont faibles deviennent forts grâce à ta puissance. Que les malades soient guéris grâce à ton onction, Seigneur. Ton onction brise le joug, que le joug, oh, les liens des ténèbres tombent cette nuit. Libère l'onction spéciale dans la vie de mon frère et de ma soeur. Que les liens de la malédiction tombent, les liens de la sorcellerie tombent. Grâce, Seigneur, à ton onction, à la puissance du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh, gloire. Chaka Rabasso. Rabasso. Robosa. Oh, gloire. Partagez la vidéo. Alléluia. Alléluia. Robosa. Mon cœur a besoin de toi, Esprit Saint. Carabasso. Robosa. Oh, que Dieu puisse te voir. Toi.
sauve. Nos vies ont besoin de toi. Viens combler. Jésus, oh, l'atmosphère de ta vie, l'atmosphère de ta vie est en train de changer dans cette adoration. Que l'onction coule dans ta vie. Alléluia. Présence me fait du bien, Saint-Esprit. Alléluia. Oh, que l'onction coule dans ta maison. Que ta maison soit inondée de la puissance de Dieu. L'onction de Dieu dans les chambres, l'onction de Dieu dans la cuisine, l'onction de Dieu, l'onction de Dieu. Oh, que ça coule en fleuve. Alléluia. Nos vies ont besoin de toi, Saint-Esprit. Mon Dieu, mon roi, répands ta puissance sur ton peuple. Ton onction sur ma soeur. Ta puissance dans la vie de mon frère. Que la guérison prenne place. Que la délivrance prenne place. Longévité prenne place. Roboshika Rabasso. Shababa Roboshoto Rabasso. Mon Dieu, mon roi. Alléluia. Béda Rabasso. Shika Rabasso. Robosa. Nos foyers ont besoin de toi, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Robosa. Nos enfants ont besoin de toi. Viens, Saint-Esprit, alléluia. Et bien, Roboshi Karabasso. Alléluia. Robosa. Et bien, Roboshi Karabasso. Et Yamasa, Robosa. Et bien, Yamasso, Robosa. Ils ont besoin de toi. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Et bien, Roboshi Karabasso, Toya Babéla. Et bien, Roboshi Karabasso, Beyabasso, Rebeta. Karabasso, ô gloire à Jésus.
Ta présence nous fait du bien. Ta présence délivre. Ta présence glorieuse restaure. Ta présence ramène la joie, ramène l'espérance. Visite ma soeur, visite un frère, visite une famille. Viens, Saint-Esprit, alléluia. Nos familles ont besoin de toi. Oui, nos cœurs ont besoin de toi. Alléluia. Roboshika Rabasso. Mon Dieu, mon roi. Gloire à Jésus. Oh mon Dieu, mon roi. Sakarabaso, Rebenda, Robosa, Benda, Benda, So. Rabashaka Rabasso, Debe Abasso, Robosa. Oh, je sens son onction. Oh, j'ai envie de déclarer des paroles de bénédiction sur une vie. Toi qui me suis, toi qui es connecté à ce programme. Oh, que le nom du Seigneur s'élève dans ta vie. Que cette nuit, que Dieu t'accorde ta délivrance, ta guérison, ta bénédiction dans toutes tes entreprises, dans tous les aspects de ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ, c'est de Nazareth. Mon Dieu, mon roi, alléluia. Oh, que les malades reçoivent la guérison. Que les chaînes tombent cette nuit. Alléluia, le jour comme la nuit, tu es Dieu. Il n'y a pas un moment où tu cesses d'être Dieu. Il n'y a pas un temps où tu cesses d'être Seigneur. Oh, c'est pourquoi nous te levons. Oui, cette nuit, dans les vies, dans les familles, nous te levons en Amérique, nous te levons en Europe, en Afrique, en Asie, en Océanie. Oh, nous te levons, Seigneur mon Dieu. Oui, là où ça va et là où ça ne va pas, nous élevons Jésus, alléluia. Robosa, Karabasso, Karabasande, Roboshime, Robosa. Oh, ta puissance nous fait du bien. Ta glorieuse présence nous fait du bien. Alléluia, alléluia. Roboshi, Karabasande, Sobabababa, Soto, Karabasso. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Robosa, Karabasso. Reçois la louange. Reçois la gloire. Mon Dieu, mon roi. Waouh, on acclame très fort le Seigneur. Waouh, 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 waouh. Oh, ta présence nous fait du bien, Seigneur. Nous t'acclamons, Jésus. Oh, c'est très bien. Waouh, encore shalom à tous ceux qui sont connectés. Je ne serai pas long. Je vais prendre une vingtaine de minutes après. Nous allons nous replonger dans la prière. Wow, l'onction de Dieu est là. Quand la puissance de Dieu coule, j'ai envie directement de déclarer des choses, de paroles de bénédiction sur la vie de quelqu'un. Je vais le faire. Je vais le faire. C'est pourquoi je salue encore tous ceux qui sont connectés sur Facebook, sur YouTube, partagez la vidéo. Et ceux qui sont sur YouTube, vous pouvez aimer celle-ci. Question de la donner plus de visibilité. Partagez ces liens. Donnez l'opportunité à plusieurs de capter la pensée du Seigneur. Quelle onction. Que Dieu bénisse l'équipe qui est avec moi. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés et qui comprennent que nous ne sommes pas dans une émission où on suit comme des acteurs et nous autres on est des spectateurs. Non, on est tous des acteurs dans la présence du Seigneur. Oh, que Dieu vous bénisse. Recevons la pensée du Seigneur cette nuit, je dis.
Je sens en moi l'envie de déclarer de paroles. Avant cela, j'aimerais vous inviter de lire avec moi dans le livre de Jean 5. Jean 5, je vais sélectionner quelques versets. Si vous avez le temps à la maison, prenez tout le texte. Moi, je prendrai quelques versets. Jean 5, verset 5. Là s'est trouvé un homme malade depuis 38 ans. Verset suivant. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, veux-tu être guéri? Verset suivant. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Toujours Jean 5, on va lire le verset 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Partagez la vidéo, il y a une pensée que le Seigneur veut que vous puissiez recevoir, mon frère, ma soeur, ce soir, cette nuit, le matin, selon l'heure à laquelle vous vous trouvez dans votre fuseau horaire, dans la région où vous êtes. Cet homme est resté longtemps avec sa maladie, pendant 38 ans, auprès de cette piscine où un ange descendait. Et la Bible dit, lorsque l'ange descendait, il agitait l'eau. Ceux qui s'y jetaient, le premier, étaient guéris. Mais lui, il était infirme, incapable de bouger. Mais la Bible nous dit, il est resté en cet endroit pendant 38 ans. 38 ans, ce n'est pas son âge, mais c'est le temps qu'il va passer au même endroit avec le même problème. Oh, il y a une pensée puissante que le Seigneur va communiquer. Aimer, envoyer le cœur sur Facebook, partager. 38 ans, ce n'est pas l'âge de la personne. 38 ans, regardez combien le diable est mauvais. 38 ans au même endroit, avec le même problème. Combien de personnes me suivent en ce moment? Ça fait 15 ans. Tu vis la même chose, tu as le même problème. Les années changent, on a même changé de décennies. Mais toi, tu continues à vivre la même chose. Regardez la méchanceté du diable. Regardez la méchanceté du diable. Mon frère, ma soeur, si tu ne fais pas attention avec ta destinée, le diable peut te maintenir au même niveau, avec le même combat, avec le même problème, avec la même maladie. Si tu ne fais pas attention, mon frère, l'ennemi peut te maintenir au même niveau, au niveau le plus bas de ta vie. Si tu ne fais pas attention, ma soeur, l'ennemi peut te maintenir au même niveau. Il y a des gens, peut-être sur le plan physique, la morphologie change, mais les problèmes de leur vie restent les mêmes. Ils sont au même endroit, l'ennemi le bloque au même endroit. Il a eu des collègues avec lui dans cette piscine qui ont été guéris. Ils sont partis, mais lui, il est resté au même endroit. Il est devenu vétéran à la piscine. Cet homme est devenu vétéran à la piscine. Il a assisté aux guérisons des autres. Il a assisté aux miracles des autres. Oh, ce soir, je suis venu te dire que le Seigneur, non seulement il a voulu que tu puisses voir ce qu'il fait dans la vie des autres, mais le Seigneur a décidé ce soir de descendre pour toi, afin que toi aussi, que tu puisses vivre le miracle.
Oh, partagez la vidéo pendant que je dis ces choses. Je prie que tu sois la personne qui va vivre les miracles. Tu as longtemps compté les miracles des autres. Tu as longtemps regardé les miracles des autres. Tu as longtemps vu comment Dieu a délivré, comment Dieu a guéri, comment Dieu a béni, comment il a donné les enfants aux autres, il a donné le mariage aux autres. L'ère est venue où le Seigneur, cette nuit, il décide brutalement de descendre dans ta vie afin que toi tu vives les miracles. Mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi. Partage la vidéo pendant que nous déclarons ces choses. Tu dois vivre les miracles de Dieu. Tu as vu les miracles dans les couples des autres. Tu as vu les miracles dans le mariage des autres. Tu as vu les miracles dans la vie des autres célibataires. Maintenant, il est temps que toi-même, que tu puisses expérimenter la puissance de Dieu qui produit le surnaturel, la puissance de Dieu Amen. Qui produit le miracle. Amen. Oh, j'aimerais que quelqu'un l'écrive ou le déclare quelque part. Seigneur, c'est mon tour de vivre le miracle. Seigneur, c'est mon tour, c'est mon tour, c'est mon tour. Oui, c'est mon tour. Je ne sais pas à quelle heure tu me suis, mais j'aimerais que tu te sois activé dans ton cœur que c'est ton tour de vivre le miracle. Amen. Pendant 38 années, cet homme est resté au même endroit. Voyons les autres être guéris. Non, 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 j'étais en train de dire, tu déclares, c'est mon tour de vivre le miracle. Amen. C'est mon tour de vivre le miracle. Amen. C'est mon tour, appelle cela même pas la déclaration. C'est mon tour de vivre le miracle. C'est mon tour d'être touché par Dieu. C'est mon tour de vivre la délivrance. C'est mon tour. C'est au tour de ma famille d'être visité. C'est au tour de ma famille d'être béni. C'est au tour de mes enfants Amen. D'être touché par Dieu. C'est mon Amen. Tour, c'est mon tour. Amen. Mon frère, sur la terre, tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Ma soeur, fais très attention. Tu risques d'être spectatrice de la vie des autres. Toi, tu es là en train de contempler comment la vie des autres change et ta vie reste la même. Le problème avec cet homme, il était devenu spectateur alors qu'il avait les mêmes besoins que ceux qui étaient guéris. Pendant 38 années, les autres étaient guéris. Lui, il était là en train de compter les miracles, en train de voir des gens se jeter dans la piscine et ressortir guéris. Oh, j'ai besoin que le Saint-Esprit stimule la foi de quelqu'un cette nuit Amen. Et qu'une âme crie quelque part, Seigneur, c'est mon tour, je veux mon miracle, Amen. Jésus, visite-moi, visite ma famille. Que quelqu'un le dise, que c'est mon tour de vivre le changement, c'est mon tour de vivre la délivrance, c'est mon tour de vivre, oui, que les forteresses de l'ennemi me libèrent, que la malédiction Amen. Me libère, Amen. Que la sorcellerie me libère, Amen. Même si les femmes, les hommes de ma famille sont sous une malédiction, mais moi je suis, j'ai Jésus, moi j'ai le Sauveur, Amen. Moi j'ai le Seigneur des Seigneurs, Amen. Moi j'ai Amen. Celui qui est plus grand que celui qui a maudit les femmes dans ma lignée. Moi j'ai Amen. Celui qui est plus fort que Amen. Celui qui a maudit les hommes de ma lignée. C'est mon tour de vivre les miracles. Amen. J'en ai marre de vivre le spectacle de la vie des autres. Amen. J'aimerais expérimenter la puissance de Dieu. Amen. Si tu attends comme cet homme que Jésus vienne vers toi, tu resteras longtemps dans ton problème. Dans la Bible, nous avons des gens qui ont entendu comme cet homme. Mais nous avons aussi des gens qui ont crié comme Bartimée. Bartimée a crié. Jésus passait. Jésus n'était pas venu pour Bartimée. Jésus sortait de la ville. Bartimée a commencé à crier. Où sont les Bartimées qui peuvent refuser de rester au même endroit pendant des années? Amen. Où sont les hommes et les femmes de la race de ces Mais c'est avec le Bartimée qui peuvent crier au Seigneur afin que le Seigneur change leur situation, afin que le Seigneur le sort de la maladie, afin que le Seigneur le sort des liens, afin que le Seigneur le sort. C'est mon tour. Cet homme est resté longtemps dans la même situation, contemplant les autres, comment ils étaient guéris. Regardons comment d'autres malades qui sont venus après lui recevoir la guérison. Donc dans la décision, il faut faire attention. Quelqu'un peut venir après toi et recevoir ce que toi tu as longtemps entendu. Et toi tu es toujours là au même endroit.
Oh, je prie que Dieu suscite des Bartimées ici. Amen. Que Dieu suscite en toi, que tu sois le prochain Bartimée qui ne va pas attendre que Jésus vienne vers lui, mais qui va commencer à crier, Seigneur Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Amen. Il faut crier. Amen. Le problème avec cet homme, lui, il attendait que Jésus vienne vers lui. C'est pourquoi il a attendu longtemps. Merci pour le texte, Marc 10, verset 47. Partagez la vidéo, que Dieu vous bénisse. On peut commencer à partir du verset 46. Marc 10. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin quand Jésus sortait. Verset 47. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il s'est mis à crier. Jésus commençait déjà à sortir de la ville. Jésus n'était pas venu pour lui. Bartimée a dit non, si je reste comme ça, attendre jusque le jour où lui va venir vers moi, je resterai longtemps dans cette situation. Il a entendu que c'était Jésus de Nazareth. Il s'est mis à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Verset suivant, 48. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait encore plus fort. Voilà la voix de la délivrance. Fils de David, aie pitié de moi. Quand tu tiens ta délivrance, ne laisse pas les hommes t'intimider. Ne laisse pas les esprits t'intimider. Crie encore plus fort à celui qui peut changer ta situation. Amen. Bartimée a crié plus fort jusqu'au point où il va attirer l'attention de Christ. Verset suivant. Jésus s'arrêta. Oh, je prie que Jésus s'arrête pour une femme, que Jésus s'arrête pour un homme, que Christ s'arrête cette nuit pour toi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, Jésus s'arrêta et dit, appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Mais qui a provoqué ce miracle? Bartimée. Il n'a pas voulu attendre dans le silence. Il a commencé à crier. Tandis que dans Jean 5 ici, cet homme infirme, il était devenu spectateur. Il a oublié que lui-même, il était à la piscine pour la guérison. Il a oublié que lui-même, il était là comme acteur. Mon frère, ma soeur, fais très attention avec la destinée. On ne te fera pas de cadeaux dans la destinée. On partage la vidéo pendant que je suis entré. D'avancer, on ne te fera pas de cadeaux dans la destinée. Amen. Le moyen que Dieu t'a donné pour communiquer avec lui, utilise cela afin d'attirer la délivrance, d'attirer la guérison dans ta vie. Mais le Seigneur va guérir cet homme. Ce qui m'intéresse, c'est le verset 14. Quelques temps plus tard, dans Jean 5, verset 14. Depuis Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Jésus va guérir cet homme et Jésus va lui dire, voici, tu as été guéri. D'abord, tu as attendu pendant 38 ans. Mais Jésus va lui dire, vas-y, ne pêche plus. De peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Ça veut dire qu'il y a possibilité que ce miracle, cette délivrance, cette guérison que tu as attendu pendant 38 ans, que tu puisses le perdre. Waouh! Comment conserver sa guérison et sa délivrance? Il ne suffit pas seulement de la recevoir, mais il faut la garder. Il faut la conserver. 38 ans dans l'attente. Mais Jésus va lui dire, monsieur, attention, je fais ma part, moi en tant que Christ. Je t'ai guéri d'une infirmité face à laquelle tu es resté sans solution pendant 38 années. Je t'ai guéri maintenant. Maintenant, prends ta responsabilité.
J'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu te délivre, quand Dieu te guérit, prends tes responsabilités. Il y a beaucoup de gens qui viennent vers le Seigneur. Ils veulent la guérison, ils veulent la percée, ils veulent le changement de leur vie. Ils veulent que le Seigneur change leur vie, mais ils ne prennent pas les responsabilités. Jésus lui dit, voici, tu as été guéri. En d'autres termes, constate le changement que j'ai opéré dans ta vie. Constate la délivrance, constate la guérison. J'aimerais que toi-même, que tu puisses être sûr du travail que j'ai effectué dans ta vie. Amen. Quand Dieu guérit, il guérit totalement. Quand Dieu délivre, il délivre totalement. Amen. Je suis venu te présenter un Dieu qui est capable de te guérir, de te délivrer, de te délivrer de tous tes ennemis, même les ennemis qui sont plus forts que toi. Amen. C'est d'ailleurs ce que David déclare dans le psaume 18, je pense, le verset 18. Il dit que Dieu l'a délivré des ennemis forts, même de ceux qui étaient plus forts que lui. Amen. Et je prie que ce Dieu qui s'est révélé à David soit le même Dieu qui va te délivrer de tous tes ennemis. Il n'y a pas un ennemi de ta destinée qui peut effrayer Christ. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Partagez la vidéo pendant que nous avançons. Psaume 18. Il m'a délivré. Il me délivra de tous mes ennemis. Même de ceux qui étaient plus forts que moi. Je prie que le Seigneur le fasse. Dieu est capable de le faire. Dieu est capable de le faire. Il veut le faire. Il est en train de le faire déjà. Amen. Mais la question est de savoir, est-ce que le terrain que le Seigneur va libérer? J'ai dit psaume 18, 18. Psaume 18, verset 18. Oh, merci. Il me délivra de mon adversaire puissant. Oh, ça j'aime. Il me délivra comment de mon adversaire puissant. J'aimerais dire à un homme, le Dieu que nous prions, il est capable, malgré la puissance de ton adversaire, il est capable de t'en délivrer. Amen. Il me délivra de mon adversaire puissant. Il ajoute au pluriel, de mes ennemis qui étaient comment plus forts que moi. Quel est cet esprit qui peut résister au nom de Jésus? Quelle est cette sorcellerie qui peut résister? Notre Dieu est capable de te délivrer des adversaires puissants. Il est capable de te délivrer des ennemis qui sont plus forts que toi. Ceux que tu reconnais qui sont plus forts que toi, sache qu'ils sont faibles devant ton Créateur. Amen. Mais la question est de savoir, quand le Seigneur te délivre, quand le Seigneur te libère, comment tu fais pour conserver cette guérison, cette délivrance? Jésus, dans le texte que nous avons lu dans Jean 15, Jean 5, verset 14, il va dire à cet homme, va et ne pêche plus. La première chose, il va lui dire, va et ne pêche plus. Est-ce que Christ, en disant cela, était en train de dire à cet homme, deviens l'homme parfait? Non. Christ était en train de dire à cet homme, en lui disant, va et ne pêche plus. Il veut seulement demander à cet homme de marcher dans la sanctification, de marcher dans la pureté. Tu viens d'être guéri, tu viens d'être délivré. Une des choses qui t'aidera à garder, à conserver ce que tu reçois de la part d'un Dieu saint, c'est la sainteté aussi. Amen. Tout ce que tu reçois de la part d'un Dieu saint, tu le conserves aussi par la sainteté. Amen. Beaucoup de gens viennent au Seigneur. Oh Dieu, délivre-moi, Seigneur, visite-moi. Dès que le Seigneur le visite, le voilà, il rentre aux choses d'autrefois dans lesquelles il était. Il rentre dans ses vomis, il rentre dans le péché, il rentre dans la légèreté, il rentre dans la vie du passé. Peu de gens conservent la guérison. Peu de gens conservent même la bénédiction qu'ils reçoivent de la part du Seigneur. Peu de gens conservent même la délivrance. Le même esprit qu'on a chassé reviendra, la même maladie va revenir. Jésus dit à cet homme, attention, quand tu as été délivré ou guéri, si tu ne fais pas ta part, ce qui va t'arriver sera pire que ce qui était avant. Or, ce qui était avant, c'était quoi? Cet homme était infirme pendant 38 ans. Mais Jésus lui dit, ce qui risque d'arriver peut être pire, imaginez.
qu'est-ce qu'il y a de pire pour quelqu'un qui est resté pendant 38 ans sans guérison, sans délivrance? Donc il faut savoir comment conserver sa délivrance, conserver sa guérison, conserver ce que tu as reçu de la part de Dieu. C'est une chose d'être visité par Dieu, c'est une chose d'être touché par Christ, c'est une autre chose de savoir conserver ce que tu as reçu de la part du Seigneur. Amen. Notamment ceci. Premièrement, marche dans la sanctification. Amen. La sanctification évite de planifier le péché. Le péché dans la vie d'un enfant de Dieu doit être accidentel. C'est pas quelque chose que tu planifies. Tu sais déjà que dans 2 jours, non, je vais pécher. J'ai un rendez-vous dans un abattoir avec la femme d'autrui, avec le mari d'autrui. Toi, tu planifies même ton péché. Tu sais déjà qu'à la fin de cette semaine, ça va mal finir. J'irai dans les boîtes de nuit. Tu sais déjà. Amen. Des fois même, tu commences à faire des confessions anticipatives parce que tu sais que le péché que je commettrai le samedi, ça sera tellement grand. Donc le lundi déjà, tu commences à confesser. Mardi, tu confesses parce que tu sais que ce que je vais faire le samedi, même l'enfer sera étonné des mauvaises actions que je poserai. Amen. Au pendant que je dis ces choses, que le Seigneur puisse te sanctifier ton cœur, que le Seigneur puisse te mettre à part dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Parce que la sanctification, c'est une vie de mise à part. Tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Amen. Va et ne pêche plus. Tu veux conserver la délivrance? Gère ta langue. La Bible dit la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Va et ne pêche plus. Tu ne peux pas conserver ce que tu as reçu de la part de Dieu si tu vis dans le péché. Si toi, tout ton temps, tu passes à calomnier, à parler, à parler, à parler, à parler. Maintenant, quand tu veux entrer dans la présence de Dieu, mon frère, ma soeur, tu te sens tellement lourd. Pourquoi? Parce que tu as tellement péché avec ta langue. Amen. Va et ne pêche plus. Gère ta langue, gère ta langue. Tu ne peux pas parler n'importe comment et conserver la guérison, conserver la délivrance. Tu ne peux pas être là en train de calomnier, en train de critiquer, en train de mentir. Et tu veux conserver la guérison, conserver la délivrance, ce n'est pas possible. C'est pourquoi nous avons des gens qui ont guéri le dimanche, le mardi, la maladie revient. Il y a des personnes qu'on délivre le samedi, déjà le dimanche matin, les esprits reviennent. Combien sont là? Combien savent que Christ ne fera pas ce que nous devons faire? Amen. Jésus a fait dans la vie de cet infirme ce que lui, le sauveur, devait faire. C'était de guérir cet infirme. Mais en matière de la sanctification, c'était à l'homme lui-même de savoir comment se comporter, de savoir comment se conduire. Ma soeur, Christ ne viendra pas vivre ta vie à ta place. Or, toi-même, tu sais que si je mets mon pied à gauche, je vais pécher. Si je vais à droite, je vais pécher. Alors, c'est à toi maintenant de contrôler ta vie. Là où tu sais déjà que je pécherai. Avec cet ami, je vais pécher. Avec cet ami-là, je passe mon temps qu'à critiquer. Avec cette cousine, nous passons notre temps qu'à nous plaindre. Ça veut dire, ça attire la colère de Dieu. Donc, je vais éviter de telles compagnies. Amen. La sanctification a plusieurs niveaux. Il y a un niveau de sanctification que le Saint-Esprit opère dans nos vies, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous sanctifie. Mais Dieu nous sanctifie également par la puissance de sa parole. Mais il y a aussi une sanctification qui relève de ma discipline personnelle. Amen. 2 Thessaloniciens 4. L'apôtre Paul dit aux chrétiens de cette église, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Tu ne peux pas espérer maintenir la guérison, la délivrance, la bénédiction. Mais toi, tu commences à vivre dans les péchés. Toi, tu rentres dans le monde. Toi, tu rentres dans le plaisir du monde. Ce sont des Corinthiens ou des Corinthiens, des Thessaloniciens, je pense. Maintenir ce que tu as reçu de la part de Dieu sans vivre dans la sainteté, non, ça ne marchera pas. À moins que cette guérison, que tu l'aies reçue chez un marabout, chez un féticheur,
D'ailleurs, je lance l'appel. Ceux qui s'amusent à écrire des choses au nom de leur marabout, là, sur nos clavardages, que le feu de Dieu vous brille dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On ne joue pas avec les choses de Dieu. Au nom de Jésus. On ne joue pas avec les choses de Dieu. Amen. 1 Thessaloniciens 4, 3. Notre Dieu est plus grand que tous ces gens-là. Amen. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de quoi? De l'impudicité. Toi, tu veux la délivrance, ma soeur. Toi, tu veux la délivrance, mon frère. Tu cries la nuit. On t'étrangle la nuit, mais tu es le premier. Tu es le premier à vivre dans l'impudicité. Tu es le premier à vivre dans les mensonges. Tu es le premier à voler les maris d'autrui. Tu es la première à voler les maris d'autrui. Tu es le premier à voler les femmes d'autrui. Amen. Mais tu vas venir, pasteur, prier pour moi, je suis bloqué. Mais mon frère, tu seras toujours bloqué. Ces blocages, ça va s'accentuer. Parce que quand tu reçois quelque chose de la part de Dieu, quand tu la perds, ta situation sera pire. Amen. Je répète ce que Jésus a dit à cet homme dans Matthieu 5, verset 14. Que lorsque tu perds ce que le ciel t'a donné, ta situation sera pire que dans son état initial. Je vais mieux le dire. Quand tu reçois la guérison, tu reçois la délivrance, tu reçois quelque chose de la part du ciel, et que tu perds cela, ta situation va s'aggraver. Amen. Pire que quand tu étais sans avoir reçu quelque chose de la part de Dieu. Amen. Va et ne pêche plus. La sanctification. Marche dans la crainte de Dieu. Gère ta bouche. Paul a dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Combien de chrétiens comprennent ces choses? Surtout ceux qui sont dans les cas de possession démoniaque, dans les cas des oppressions, dans les cas d'obsession. Toutes ces choses-là ayant attrait aux esprits. Quand tu dors dans la tristesse, tu dors dans la colère, sache que tu es en train de renforcer ces esprits. Amen. La tristesse, la colère est une nourriture rêvée des esprits mauvais et surtout des esprits humains qui possèdent le corps. Amen. C'est pourquoi des fois, quand tu as mal dormi, tu te réveilles, tu as des sauts d'humeur. Pourquoi? Parce que c'est ça l'attitude, c'est ça le tempérament que le monde des ténèbres veulent que tu puisses avoir, afin qu'ils puissent te garder dans une atmosphère où tu seras comme une marionnette, où on va commencer à te contrôler. Tes actions seront utilisées pour leur gloire. Mais ce soir, je suis en train de déclarer sur toi, mon frère, sur toi, ma soeur, que la main de Dieu te localise. Sois libre de toute influence maléfique dans les noms puissants de Jésus-Christ et de Nazareth. Que le soleil ne se couche pas sous votre colère, a dit l'apôtre Paul dans Éphésiens. Va et ne pêche plus. On ne dit pas que tu ne peux pas tomber en colère, mais calme ta colère. Calme ta colère. Vous êtes en couple, vous savez que vous êtes recherché. Et surtout, il y a des familles où vous êtes tellement recherché, on veut que la mort entre dans la maison. Mais voilà, l'homme et la femme peuvent passer 2-3 jours, ils ne se parlent pas. Ils ne comprennent pas que c'est la ruse de la sorcellerie. Lorsque le sorcier veut frapper une famille, écoutez bien. La protection spirituelle dans un couple n'a pas les mêmes exigences que dans la vie d'un célibataire. Quelqu'un qui est seul, ça ne dépend que de lui et de ses relations avec Dieu. Quand vous êtes en couple, la protection divine, la protection spirituelle dépend non seulement de votre communion avec Dieu, mais de l'un aussi envers l'autre. C'est pourquoi il y a des querelles, il y a des incompréhensions. Que le monde des ténèbres va au préalable, n'est-ce pas, chercher à imposer dans un couple, dans une relation, n'est-ce pas, amoureuse, afin d'avoir la porte d'entrée, l'accès pour opérer. Quand vous êtes dans l'incompréhension, quand vous êtes dans les désaccords, quand vous ne savez pas comment vous maîtriser, quand vous ne savez pas comment vous pardonner, les sorciers vont entrer par là. Ils vont passer par là. Amen.
C'est ainsi que beaucoup de gens perdent la bénédiction. Ils perdent, on les vole facilement. Pourquoi? Parce qu'on utilise simplement leur comportement charnel. On utilise leur manque de maîtrise de soi. On utilise le caractère, le tempérament de la femme. On utilise le tempérament de l'homme. On vous oppose. Ce que moi j'ai appris en voyant vivre avec mes parents, c'est que dans un couple, quand l'homme parle, quand l'un dans un couple parle, l'autre reste calme. C'est une bonne méthode pour éviter des incompréhensions. L'autre reste calme. Tu écoutes d'abord ce que ton mari est en train de dire. Tu écoutes ce que ta femme est en train de dire. La première des choses, lorsqu'on veut fermer la porte à tout prix à l'ennemi qui veut passer par des querelles, par des disputes dans la maison, c'est de chercher à tout prix qu'on parle le même langage. Et pour parler le même langage, ça passe par une prédisposition à chercher à comprendre l'autre. Amen. Vous partagez la vidéo pendant que nous sommes en train d'avancer et d'atterrir ici. Que le Seigneur te donne la sagesse, ma soeur. Que le Seigneur te donne la sagesse, mon frère. De savoir comment conserver ce que tu as reçu. Ce texte de Jean 5, verset 14, veut dire ceci. Il y a des choses que tu peux recevoir de la part du ciel. Mais si tu te comportes mal, tu vas les perdre. Amen. Il y a des choses que tu peux recevoir de la part du ciel, mon frère, ma soeur. Si tu n'agis pas comme l'exige le royaume, tu vas les perdre. Amen. La sanctification. Deuxièmement, tu veux conserver ta délivrance, conserver ta guérison. Tu dois te maintenir dans la présence de Dieu. Amen. Tu dois comment te maintenir? Tu ne peux pas conserver ce que tu reçois de Dieu sans Dieu. Et pour maintenir Dieu, il faut aller dans sa présence. Amen. Tu ne peux pas, je répète, conserver ce que tu as reçu de la part de Dieu sans Dieu. Et pour que Dieu soit avec toi, tu dois aller vers lui. Amen. C'est pourquoi la prière s'impose. La prière s'impose dans la vie de tout celui qui veut conserver ce que tu as reçu de la part de Dieu. La prière s'impose. La prière devient le passage obligé de tout celui qui a reçu quelque chose de la part de Dieu. Dieu t'a guéri, Dieu t'a délivré, Dieu t'a béni. Ce mariage-là, tu as obtenu cela après plusieurs combats. Et te voilà dans le mariage. Dès que tu as le mariage, tu penses que c'est fini. Bye bye l'église, bye bye la vie de prière. Et puis après 2 mois, un problème arrive, l'homme meurt. Et là, tu retournes encore à zéro avec des jeunes. C'est comme ça que nous voyons des chrétiens et des chrétiennes commettre des erreurs. Amen. Parce qu'ils pensent qu'ils peuvent se passer de Dieu dès qu'ils ont reçu quelque chose de la part de Dieu. Mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. Peu importe l'heure à laquelle tu vas écouter cette vidéo, tu ne peux pas te passer de Dieu si ce que tu as reçu vient de Dieu. Amen. Tu ne peux pas, même les féticheurs, quand ils te font ces gris-gris là, ils te donnent quelque chose, ils vont vous donner des restrictions. Seulement leurs histoires là, c'est élémentaire. Nous avons un Dieu très puissant, tout puissant. Pour conserver ce que tu reçois de Dieu, tu as besoin de Dieu. Pour conserver la guérison, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu pour conserver la délivrance. Tu as besoin de Dieu pour conserver la bénédiction que tu as reçue de sa part. Amen. Ma prière ce soir, que le Seigneur t'attire dans sa présence, que tu deviennes une femme de prière, que tu deviennes un homme de prière, que ton couple devienne un couple où l'homme et la femme comprennent l'importance de la prière. Que la prière ne soit pas quelque chose, l'acte que nous posons pour se consoler mutuellement, après avoir tout fait, après s'être épuisé, là maintenant, vous donnez à Dieu le moment le plus banal de votre temps, le moment où vos facultés sont affaiblies, là vous essayez de prier et vous n'arrivez pas et vous dites, bon Dieu va comprendre. Non, il faut payer le prix. Payer
Amen. Elle est prise dans la prière. Donnez à Dieu, que vous soyez seul, que vous soyez en famille, donnez à Dieu le meilleur de votre temps. Amen. Donnez à Dieu le meilleur de votre temps. Priez quand vous êtes encore fort. Amen. Ou encore, mon frère, tu es seul. Ma soeur, tu es seul. Prie quand tu es encore fort. Parce que cette bénédiction, cette délivrance que tu as reçue, les esprits qu'on a chassés chercheront à revenir. Et dans les domaines spirituels, les esprits deviennent méchants. Ils deviennent méchants. C'est pourquoi, dans certains cas, on dit même de ne pas prier pour certaines personnes. Pourquoi? Parce que quand la personne n'a pas pris conscience du danger, quand la personne n'a pas encore compris qu'en chassant ses esprits, ces esprits vont chercher par tous les moyens comment revenir. Alors cette personne, il faut qu'elle comprenne qu'elle a sa responsabilité afin de fermer toutes les portes dans sa vie. Comment? Par la prière. La prière, je ne quitterai plus la prière. Je ne peux plus me passer de la prière. Oh, je recherche la présence de Dieu. Amen. Ma soeur, mon frère, quand on t'a cherché, surtout il y a des gens où tu sais qu'on cherche non seulement à posséder ta vie, mais à te détruire. On veut que tu meurs. Quand tu sais qu'on te cherche à ce niveau, mon frère, ma soeur, ne joue pas avec ta vie. Vous savez, tu peux avoir des assiettes, tu peux les briser. Il y en a encore dans les magasins. Mais la vie, ta vie, tu n'as que ta vie. Il y a des gens qui vivent comme s'ils étaient dans un jeu vidéo. Vous savez, dans un jeu vidéo, je vois comment mes enfants jouent au jeu vidéo. Un personnage peut mourir et puis vous voyez le même personnage renaître à nouveau. Dans la vie de tous les jours, tu n'es pas dans un jeu vidéo où, ma soeur, si tu t'éteins aujourd'hui, tu vas redescendre encore en train de sourire. Non. Amen. Ne joue pas avec ta vie, mon frère. Ne joue pas avec ta vie, ma soeur. Il y a des familles qui n'ont pas droit à jouer parce que vous êtes au courant de ce que l'ennemi veut faire de vous. Et souvent, ce sont des familles où vous allez voir le père et la mère sont dans des distractions inutiles. Ils se consolent. Oh non, on va prier. Vous êtes dans un pays, vous êtes dans une région où il y a une église où vous pouvez aller prier, où vous pouvez aller écouter la parole de Dieu. C'est bien de me suivre comme vous me suivez. Mais si tu as la possibilité d'aller au lieu du culte, allez-y. Amen. J'ai aimé ce que mon ami le bishop Abba Isaac a déclaré hier en parlant du lieu de culte. Il a dit ceci, que l'omniprésence de Dieu n'exclut pas le caractère sacré d'un lieu de culte. Que des enfants de Dieu qui oublient aujourd'hui, au nom de la pandémie, au nom du confinement, ils pensent que c'est eux qui font que Dieu soit Dieu. Non, ne te trompe pas mon frère, ne te trompe pas ma soeur. Si on t'a cherché hier, on a cherché à t'avoir hier et qu'on n'a pas pu, leur démarche de ceux, de tes oppresseurs, c'est de chercher comment ôter cette couverture spirituelle sur ta vie, afin de t'avoir. Amen. Et si cette couverture, c'était la présence de Dieu, si cette couverture, c'était parce que tu étais auprès d'un homme de Dieu, tu étais dans une église locale, et la présence de Dieu dans cette église locale et de son ange qui est dans cette église a empêché les sorciers de ta vie, de ta famille, de te toucher. Quand tu n'es plus là-bas, ils vont t'avoir. Ils vont t'avoir. Amen. Oh, je suis venu t'informer ce soir que Jésus fera toujours sa part. Que Dieu fera toujours sa part. Amen. Et tu seras amené à faire ta part. Nous allons continuer demain. Que le Seigneur touche quelqu'un ce soir. Que la main de Dieu touche quelqu'un ce soir. Peut-être que tu te sens faible. Peut-être que ma soeur, mon frère, tu te sens affaibli par des problèmes. Et ça prenait peut-être que tu écoutes ce message afin d'être boosté par le Seigneur. Ma prière cette nuit, que le Seigneur puisse te booster, que le Seigneur relève ta foi. Si tu n'arrivais plus à prier, que Dieu restaure ta vie de prière. Oh, si tu ne marchais plus dans la sanctification, si tu sentais que tout commençait à t'énerver, que Dieu enlève cet envoûtement de la colère dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma prière ce soir, que la grâce de Dieu
abonde dans ta vie. Que le Seigneur te donne la sagesse dans les combats. Que le Seigneur te donne la sagesse et le discernement afin de conserver le terrain que Dieu, que Christ a déjà libéré. Afin de conserver ta délivrance, ta guérison. Afin de conserver la bénédiction que tu as reçue de la part de Dieu. Si tu peux oublier toutes choses, mais note bien ce que je dis. Tout ce que tu reçois de Dieu, tu ne peux le garder qu'avec Dieu. Tout ce que tu reçois de Dieu, tu ne peux le garder qu'avec Dieu. Tu ne peux pas recevoir quelque chose de la part de Dieu et les conserver sans Dieu, jamais, à moins que cela vienne d'ailleurs. Mais ce que tu reçois de Dieu, il n'y a que la main de Dieu qui est capable de t'aider à les garder. Si cet enfant, si ce mariage, si cette guérison, cette délivrance, tu l'as reçu de Dieu, tu ne peux la conserver qu'avec Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, priez sans cesse. Une façon de dire, maintenez-vous d'une manière continuelle dans la présence de Dieu. C'est possible, même en dormant, de se maintenir dans la présence de Dieu. Pendant que tu conduis ta voiture, que tu sois dans la présence de Dieu. Pendant que tu fais la vaisselle, que tu sois dans la présence de Dieu. Pendant que tu manges, que tu sois dans la présence de Dieu. Dieu ne doit pas être quelqu'un que tu vas consulter seulement quand tu es dans les besoins. Dieu doit devenir ton ami. Dieu doit faire partie de ta vie. Oh, comme lui-même, Christ a dit dans Jean 15, le verset 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Que Dieu te bénisse cette nuit dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'onction de Dieu vienne dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la bénédiction de Dieu te visite. Oh, que Dieu te donne cette sagesse. Que Dieu te donne ce discernement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, peu importe l'heure à laquelle tu suivras cette vidéo. Qu'une grâce spéciale vienne dans ta vie. Oh, je te bénis ma soeur. Je te bénis mon frère. Que toute oppression démoniaque s'arrête cette nuit. Là où il y avait les esprits de mort, ces esprits libèrent sans résistance par la puissance du sang de Jésus. Par la puissance du sang de Jésus. Nous avons un Dieu qui n'a pas d'égal. Nous avons un Dieu qui est plus grand que tout. Nous avons un Dieu tout puissant. Je disais, nous avons un Jésus, un Seigneur qui est plus grand que tous les seigneurs. Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus que je proclame cette nuit dans ce programme. C'est Jésus que je proclame dans ta vie. Qu'il règne dans ta vie. Qu'il règne dans tes pensées. Qu'il règne dans ton cœur. Qu'il règne dans ta maison. Qu'il t'apporte le shalom ou la paix. Qu'il t'apporte la joie. Qu'il t'apporte l'espérance. Oh, que la présence de Dieu te fasse du bien dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prenons rendez-vous déjà pour demain. Nous serons encore en direct. Continuez d'aimer, s'il vous plaît, d'aimer la vidéo, de la partager, même ceux qui suivent en direct, en différé. Aimez et partagez cette vidéo. Envoie cela à quelqu'un qui a besoin de savoir que Dieu ne fera pas sa part, qui a besoin de savoir comment conserver le terrain que le Seigneur a libéré, qui a besoin de savoir comment conserver sa bénédiction. Parce que le Seigneur est un Dieu qui veut ton bonheur, mais il ne fera pas ce que toi et moi nous devons faire. Soyez bénis et nous allons vous donner plus de détails sur le programme de la semaine, je pense, à partir de demain. Que la grâce de Dieu abonde dans vos vies. Nous voulons adorer le Seigneur et passer, terminer ce programme dans l'adoration. Et que la nuit soit bonne, aucune visitation nocturne. Nous fermons la porte aux maris, aux femmes de nuit, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous repoussons la terreur de la nuit, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je salue ceux qui sont connectés depuis l'Europe, les États-Unis et ailleurs. Que Dieu vous bénisse. Depuis le Canada, que Dieu vous bénisse. Depuis l'Afrique également, que Dieu vous bénisse. Sa présence nous fait du bien. Adorons le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Adorons le Seigneur. Ton amour, gloire à Jésus. Ta puissance. Ta présence dans la nuit. Ton amour. À toutes les femmes de prière, à 5h, nous serons là en direct sur notre ligne téléphonique. À midi également. Soyez nombreuses, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu abonde dans vos vies. Alléluia. Ton amour. Ton amour.
Seigneur. Ta puissance. Le bébé Carabasso, Robosa. Le bébé Carabasso, ton Carabasso. Ton amour. Ta puissance. Ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Alléluia. Je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Gloire à Jésus. Je veux t'adorer.
soit rendue à Dieu. Après des mois d'attente, nous pouvons enfin retrouver le chemin de l'Église tous ensemble. Tout en respectant les mesures barrières, port du masque en tout temps, lavage des mains, respect de la distanciation sociale, retrouvons le chemin de l'Église, car la Bible nous dit qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Je sème à la Montagne Sainte. Vous pouvez envoyer vos dîmes, dons, offrandes et libéralités en direct de chez vous. Pour cela, plusieurs moyens s'offrent à vous. Par virement Interact, PayPal, Visa et Mastercard directement sur notre site internet www.centremontagnesainte.com, MoneyGram, Western Union ou encore RIA. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse. Ensemble, nous construirons l'Église. Pierre après pierre, Laval pourra bénéficier d'un lieu où rencontrer Jésus et vivre une vie chrétienne épanouie. Alors que vous soyez ici ou partout dans le monde, apportez votre pierre à l'édifice par votre contribution mensuelle. Les différents moyens sont disponibles sur notre site internet www.centremontagnesainte.com. Peu importe le montant, c'est votre fidélité et régularité qui compte. Que Dieu vous bénisse pour votre soutien à son œuvre.
Gloire soit rendue à Dieu. Après des mois d'attente, nous pouvons enfin retrouver le chemin de l'Église tous ensemble. Tout en respectant les mesures barrières, port du masque en tout temps, lavage des mains, respect de la distanciation sociale, retrouvons le chemin de l'Église, car la Bible nous dit qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Je sème à la montagne sainte. Vous pouvez envoyer vos dîmes, dons, offrandes et libéralités en direct de chez vous. Pour cela, plusieurs moyens s'offrent à vous. Par virement Interact, PayPal, Visa et Mastercard directement sur notre site internet www.centremontagnesainte.com, Monogram, Western Union ou encore RIA. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse. Ensemble, nous construirons l'Église. Pierre après pierre, Laval pourra bénéficier d'un lieu où rencontrer Jésus et vivre une vie chrétienne épanouie. Alors que vous soyez ici ou partout dans le monde, apportez votre pierre à l'édifice par votre contribution mensuelle. Les différents moyens sont disponibles sur notre site internet www.centremontagnesainte.com. Peu importe le montant, c'est votre fidélité et régularité qui comptent. Que Dieu vous bénisse pour votre soutien à son œuvre. Thank you.
gloire soit rendue à Dieu. Après des mois d'attente, nous pouvons enfin retrouver le chemin de l'Église tous ensemble. Tout en respectant les mesures barrières, port du masque en tout temps, lavage des mains, respect de la distanciation sociale, retrouvons le chemin de l'Église, car la Bible nous dit qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Je sème à la montagne sainte. Vous pouvez envoyer vos dîmes, dons, offrandes et libéralités en direct de chez vous. Pour cela, plusieurs moyens s'offrent à vous. Par virement Interact, PayPal, Visa et Mastercard directement sur notre site internet www.centremontagnesainte.com, Monogram, Western Union ou encore RIA. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse. Ensemble, nous construirons l'Église. Pierre après pierre, Laval pourra bénéficier d'un lieu où rencontrer Jésus et vivre une vie chrétienne épanouie. Alors que vous soyez ici ou partout dans le monde, apportez votre pierre à l'édifice par votre contribution mensuelle. Les différents moyens sont disponibles sur notre site internet www.centremontagnesainte.com. Peu importe le montant, c'est votre fidélité et régularité qui comptent. Que Dieu vous bénisse pour votre soutien à son œuvre.
gloire soit rendue à Dieu. Après des mois d'attente, nous pouvons enfin retrouver le chemin de l'Église tous ensemble. Tout en respectant les mesures barrières, port du masque en tout temps, lavage des mains, respect de la distanciation sociale, retrouvons le chemin de l'Église, car la Bible nous dit qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Je sème à la Montagne Sainte. Vous pouvez envoyer vos dîmes, dons, offrandes et libéralités en direct de chez vous. Pour cela, plusieurs moyens s'offrent à vous. Par virement Interact, PayPal, Visa et Mastercard directement sur notre site internet www.centremontagnesainte.com, MoneyGram, Western Union ou encore RIA. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse.